Revenons donc au Cameroun. La question que les téléspectateurs se posent en vous regardant, ce Camerounais, n'est-ce pas, qui est inventeur de ces technologies dont on parle depuis plus d'une heure maintenant, la question qui se pose, c'est comment nous, Camerounais, pouvons bénéficier, qu'est-ce que nous tirons comme avantage d'avoir un compatriote du nom du docteur Keuze? Alors, on va dire que depuis 38 ans, je suis à l'étranger, donc vous n'avez pas encore pu bénéficier de mes technologies, mais du fait de la nouvelle invention qui est maintenant à la portée en fait du grand public, la Super App a pour vocation et pour but de transformer, de ramener le digital auprès des populations, de transformer le quotidien en fait des Africains, des pays émergents et du Cameroun en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons bancariser les populations. Les populations africaines en particulier n'ont pas l'accès à la, on va dire, au système financier international. Voilà, c'est un fait. Une super app permet de fournir à toute personne l'équivalent d'un compte bancaire online. C'est ce que va apporter Kaizen à toutes les populations. Kaizen va permettre aux populations d'intégrer le commerce électronique. Ça veut dire que la maman qui se trouve dans un village, qui cultive ses ignames, serait capable, en un clic, de poster sur la plateforme Kaizen les ignames et n'importe qui du Cameroun ou de la diaspora camerounaise pourrait l'acheter en un clic et le faire soit récupérer sur place ou livrer dans n'importe quelle destination. La question, vous allez me dire, oui, mais où est cette logistique de livraison? Et c'est là où Kaizen va justement transformer les populations parce que nous allons les mettre en action. Kaizen vous permettra, pour tout ce qui est livraison, de fournir du travail massivement à des millions de Camerounais. Par exemple, lorsque cette maman aura besoin de livrer sa marchandise, comment ça se passe sur la plateforme Kaizen? Tout simplement, lorsque j'achète sa marchandise, j'ai un choix de livraison. Je dis, voilà, j'aimerais quelqu'un pour me livrer cette marchandise. Sur Kaizen, quiconque a des capacités de livrer quoi que ce soit pourrait s'inscrire et dire, moi, je suis prêt à livrer peut-être dans mon quartier, à pied, dans ma ville, en mobylette, en moto ou en voiture, ou dans tel périmètre. Une fois que tu es enregistré ainsi, tu as cette capacité. Lorsque quelqu'un a besoin de faire une livraison, notre système d'intelligence artificielle et de géolocalisation commence à faire une recherche dans ce rayon d'action et toutes les personnes qui ont ces capacités reçoivent un message en fait de demande. Et il suffit de dire, ok, je suis d'accord, ça m'intéresse de le faire, vous allez, vous faites votre livraison. Et une fois que la livraison est faite, elle est validée, vous scannez le QR code entre celui qui livre et celui qui reçoit, qui fait partie de la plateforme Kaizen, vous scannez vos téléphones, immédiatement, le settlement s'est fait, c'est-à-dire Kaizen fournit, transmet donc à la vendeuse son argent instantanément dans son wallet et le livreur reçoit instantanément son argent concernant ses livraisons dans son wallet. Et maintenant sur la question de la formation aux sciences robotiques, par exemple, on doit vous rappeler quand même que lorsque vous avez obtenu le bac C et que vous avez décidé, n'est-ce pas, de faire dans cette technologie-là, vous étiez obligé d'aller à l'étranger. Oui. Il y avait quand même au Cameroun l'École nationale supérieure polytechnique. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à la mise en place, à la création des écoles dans ce sens-là, pour éviter que les compatriotes aient des difficultés pour pouvoir accéder à ces grandes écoles à l'étranger? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, en tant que déjà personne physique, mais surtout en tant que Kaizen, donc nous avons donc des projets précis en matière de partenariat déjà avec des universités au Cameroun. Notamment ici à Douala, nous avons eu une rencontre avec GFN,
Voilà, l'institut, cette institut technologique, et nous comptons en fait, nous avons prévu, voilà, bientôt signer un partenariat dans le domaine notamment de tout ce qui concerne en fait le cloud computing. Oui, donc voilà, nous avons cette ambition déjà d'avoir des contrats de partenariat avec des centres sur place, et bien entendu, nous avons aussi des projets, non seulement de former des Camerounais localement, mais surtout de leur créer de l'emploi. Concrètement, Kézane, ça je vous l'annonce quand même, c'est que si je suis là, c'est le fait que nous avons pris la décision au niveau du board de Kézane d'installer en fait notre back-office, donc c'est-à-dire la partie, un back-office dans un cloud, dans une plateforme telle que Kézane. C'est par exemple l'endroit où nous faisons du support technique. C'est l'endroit où, par exemple, lorsque nous avons besoin de faire ce qu'on appelle les KYC pour des wallets, etc., où ça se vérifie. Donc, nous avons créé ce back-office, notamment au Cameroun. Donc, nous avons des bureaux Kézane qui ont été créés, qui sont depuis le 1er novembre, effectifs. Nous sommes en train de recruter au Cameroun, là, à l'heure où je parle. Nous avons, durant ma tournée que je fais là depuis déjà à peu près une semaine, je suis entouré de quelques employés salariés de Kézane, de Yaoundé, et nous en employons encore d'autres. Nous sommes à la recherche. Nous avons lancé des appels de recherche d'emploi Quels sont les pour des profils Camerounais. recherchés? Donc, des profils que nous recherchons actuellement, ce sont en fait plus spécialement des ingénieurs ou des techniciens dans le domaine, en fait, on va dire, des TIC, hein, de façon générale, parce que nous les formons. Lorsqu'on les recrute, en fait, nous avons juste besoin qu'ils aient des bons réflexes, en fait, une certaine agilité. Mais derrière, en fait, nos équipes, notamment notre VP Operations, qui se trouve au Canada, Simon Gianberto, c'est lui qui est chargé justement de la formation, le training et l'encadrement en fait de toutes ces équipes que nous mettons en place. Donc nous parlons d'après nos prévisions, lorsque nous atteindrions par exemple 50 millions d'utilisateurs, il nous faut environ 4 000 personnes pour uniquement le back-office de Kézane. Donc, nous avons ces projets et on les met en place puisqu'on j'y viens, nous investissons au Cameroun puisque voilà, les personnes y travaillent, on commence à créer l'emploi, ce n'est qu'un début. Mais bon, vous savez, ça fait 48, 38 ans, je n'ai pas été là. Maintenant, j'y suis, je viens petit à petit par le fait de Kézane, de cette plateforme, et j'espère bien sûr apporter ma contribution justement en matière d'innovation et de formation des jeunes dans ces domaines en fait on va dire des technologies de l'information, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle.